We're now down here in the city starting to set up for tonight. God saying there's room for you, come. And we want to see people respond to that invitation. Hark, hark the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. We will throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and bold. Bringing cheer to young and old. Oh, how they pound, raising their sound, o'er hill and dale, telling their tales. Christmas is such a good season. Vous savez, Noël, c'est tellement une saison incroyable. Because we're celebrating the birth of Jesus. Parce qu'on célèbre la naissance de Jésus. It's not a story of man trying to get to God, but of God coming to man. C'est pas l'histoire des hommes en train de se rapprocher de Dieu, mais c'est l'histoire d'un Dieu. He came for everyone. Et ce message, c'est qu'il est venu pour tous. That it wasn't who the man is or if they deserved it or not. C'était pas si on le méritait ou qui est-ce qu'on était. But God was displaying, I'll come for anybody. Il a tout simplement dit, mais je viendrai pour n'importe qui. I give you the acceptance that you're seeking. Un Dieu qui te donne cette sécurité et qui t'accepte comment tu es. The question again is, why would God do this? Donc de nouveau la question, c'est pourquoi est-ce que Dieu ferait cela? Why would God come to earth to know us? Pourquoi Dieu viendrait sur terre pour nous connaître? And the answer is that God is love. Et la réponse, c'est que Dieu nous aime. And love cannot be fully expressed when there's distance. Et que l'amour, il peut pas être exprimé complètement quand il y a encore de la distance. And it's a distance that we could never cross, so he crossed it and came to us. Une distance qu'on n'arrivait jamais à franchir, donc il l'a franchi lui-même et est venu à nous. So tonight, alors ce soir, this Christmas season, en cette saison de Noël, God's come for you. Dieu est venu pour toi. You don't need to try to be someone you're not. T'as pas besoin d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. For him to accept you. Pour qu'il puisse t'accepter. So tonight, alors ce soir, we're giving an invitation. On te donne une invitation.
receive the acceptance that God is giving to you. Que tu puisses recevoir cette acceptation que Dieu te donne. God loves you and he came for you. Dieu, il t'aime et il est venu sur terre pour toi.